Cet après-midi, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir clôturer cette formation. Cette formation s'est faite comment ? Cette formation de boulanger, elle a pu se faire grâce à la synergie de deux entités. La base italienne, qui a délégué son maître boulanger, et le Rotary Club doyen de Djibouti, qui, grâce à sa connaissance du terrain et dans le cadre des actions liées à la formation et à l'enfance, a pu développer cette action. Donc on a pu le faire aussi grâce à l'aide de deux associations djiboutiennes, l'association ONG EVA et l'association Femmes féminines, Solidarité féminine, du docteur Emma Assina, présidente, et le docteur Met, président de EVA. Donc on les remercie de nous avoir aidés, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu avoir cette belle jeunesse qui est là avec nous et qui, on l'espère, à l'issue de cette formation, sera en mesure d'intégrer soit de débuter dans le métier de boulanger, d'intégrer des boulangeries ou de rentrer dans la restauration ou faire du catering. En tout cas, d'avoir la chance d'avoir profité de tout ce training pour pouvoir développer nos compétences. Enfin, en ce sens, on remercie aussi la boulangerie de nous avoir, Mako, de nous avoir accueillis, car c'est grâce à elle aussi qu'on a pu avoir cette structure. C'était assez difficile sur Djibouti de se trouver une structure suffisamment grande et développée comme cette belle boulangerie pour pouvoir réaliser cette formation. Donc on les remercie. Donc si je dois résumer, on remercie en premier nos amis de la base italienne, sans qui le maître boulanger présent à mes côtés, ça n'aurait pas été possible. On remercie donc également la boulangerie qui a mis à disposition son installation et les deux associations djiboutiennes qui s'est jointe à nous pour faire cela. Voilà, merci beaucoup et bon courage.